object that forms our historical biography, describing the precious heritage of the aches and frustrations of city life blues, the threats of violence that provide the atmosphere, and observations from the balcony of a B-movie as all the world's a stage. Bonjour à tous, il est 14h30, nous sommes ravis de vous accueillir en ce début d'après-midi en direct depuis la Cité mondiale, dans un de ces beaux amphithéâtres équipés pour nous accueillir cet après-midi. Merci à tous, nous sommes réunis cet après-midi à l'initiative de l'UMENA. L'UMENA, cette jeune association dont nous allons parler dans quelques instants. Ce moment, il s'est voulu à la fois informatif. Nous allons partager ensemble un certain nombre d'informations, mais il se veut aussi dans ce moment à la fois d'espoir et d'espérance avec cette reprise que nous avons tous vécu pleinement depuis hier. Il s'est voulu aussi socle de réflexion. Cette reprise, elle est, on vient de le dire, synonyme d'espérance, mais elle est aussi, et cela n'efface pas, les questionnements, les inquiétudes, les interrogations sur les modèles techniques, les conditions techniques de reprise, mais aussi les modèles économiques pour l'ensemble des entreprises de la filière événementielle. C'est de tout cela que nous allons parler ensemble. Nous allons essayer avec nos intervenants d'apporter quelques éclairages, notamment sur les accompagnements d'aujourd'hui et surtout de demain. Nous allons pour cela avoir le plaisir d'accueillir des intervenants à la fois issus des milieux bancaires, mais aussi des institutionnels locaux, territoriaux, qui sont aux côtés des entreprises dans leur quotidien. Mais avant cela, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Philippe Rondeau. Donc Philippe Rondeau, vous êtes co-président de l'UMENA. Vous êtes aussi un entrepreneur connu de la filière. Vous êtes PDG de Connect, une nouvelle marque d'ailleurs, qui regroupe un certain nombre d'actions, organisations, conceptions, conseils, installations de nombreux établissements, dont Bordeaux, Paris et Lyon aussi. Donc vous allez aussi nous apporter votre regard et votre quotidien de chef d'entreprise, entrepreneur. Alors aujourd'hui, ma première question, cette association UMENA, alors pourquoi une nouvelle association dans la filière événementielle sur un périmètre régional ? Pourquoi ? À l'évidence, la crise du Covid a provoqué une prise de conscience que, individuellement, notre métier, qui par nature est déjà assez discret, avait besoin de se regrouper pour être plus entendu. Voilà. Ça, c'est quand même l'effet starter. Mais en règle générale, de toute façon, c'est vrai que notre profession
a la chance d'être représenté au niveau national, comme au travers du NIMEV, mais au travers d'autres syndicats, dont le SIMPAS. Et il y a un gros travail qui est fait par cette fédération au niveau national. Mais au plan local, on a des métiers de grande proximité. Et beaucoup de personnes ignorent tout de nos métiers. Les gens participent à la fête du vin, les gens participent au Grand Pavois, pour n'oublier personne, les gens participent à la festival du BD d'Angoulême ou à la foire de Niort ou au G7 de Biarritz. On peut aller très loin là-dessus, ou à l'inauguration du pont Chaban-Delmas. Bref, on fait la fête et notre profession, en fait, a pour vocation d'animer la ville au sens large et toutes ses filières économiques ou culturelles ou sportives ou familiales. Voilà. Donc, on est plutôt des gens de l'ombre. Et on n'a pas l'habitude que notre métier puisse ne pas fonctionner, puisque quand un maire inaugure une manifestation ou quand c'est le jour J, quoi qu'il arrive, nos professions sont ventre à terre, pardonnez-moi l'expression, et ne sont jamais défaillantes. Et il se trouve que là, on s'est retrouvé imposé défaillant. Voilà. Donc il y a eu une prise de conscience de tous ces métiers, de se dire qu'il fallait très très vite se regrouper et qu'on aurait peut-être probablement d'ailleurs... Je sais que certains de ces métiers y avaient déjà beaucoup réfléchi, mais là, il y a eu vraiment une prise de conscience que, pour la circonstance, il fallait très vite se fédérer, mais au-delà de ça, durablement, pour reprendre des expressions à la mode, il fallait que l'UMENA soit sur pied. Ça touche des sujets d'innovation, ça touche des sujets de formation, voilà. Et puis ça touche le sujet de la pérennité, de la durabilité de notre métier. Et c'est toujours... on est toujours plus intelligent quand on est nombreux que peu. Je voulais juste vous dire aussi pour information que cette association est quand même partie sur les chapeaux de roue parce qu'on est à, je crois, à plus de 130 adhérents. On a certainement, il ne faut pas qu'on s'arrête là, on va continuer à accélérer et qu'on a beaucoup d'espoir pour faire valoir notre profession au travers de cette association. Je voulais saluer d'ailleurs, parce que c'est moi qui suis sur le plateau aujourd'hui, les deux vice-présidents, il fallait qu'on n'a pas tiré à la courte paille, mais presque. Je voulais saluer Fabrice Guérineau, qui est aussi co-président avec moi, et puis Carole Marvier, qui n'est pas sur le plateau parce qu'on voulait faire light. Voilà. Donc une profession qui, effectivement, après avoir mis et continue à mettre en lumière les uns les autres, a aussi besoin d'être dans ces lumières, hein, effectivement, et d'être mieux connue, reconnue. Et puis une profession, comme vous l'avez dit, qui est au cœur des territoires et qui, effectivement, a tous ces liens de proximité. Alors, globalement, pour vous, comment vous résumeriez, parce qu'on a peu de temps, mais comment vous résumeriez justement les enjeux, ou en tout cas les grands défis, là, tout de suite, là, qui vont se présenter à tous ces acteurs de la filière événementielle, et quelle est la situation là, quand on se parle aujourd'hui ? Oui, la thématique de ce webinaire, il est essentiellement financier. Hein, donc c'est quand même, on appartient au monde de l'entreprise et il faut créer de la richesse. Et quand on ne peut plus créer de la richesse, naturellement, l'ensemble des acteurs professionnels ne peuvent être que très inquiets. Pour résumer la situation très vite, il faut dire haut et fort que notre secteur professionnel est dans l'œil du cyclone. On a été beaucoup plus impacté encore que les restaurateurs ou les hôteliers. Très concrètement, juste le chiffre, pour ceux qui connaissent mal ce secteur, c'est donc à ce jour 18 mois avec à peine 10% de chiffre d'affaires. C'est déjà 25% de notre secteur d'activité qui ont été en dépôt de bilan ou en défaillance. C'est un secteur entier, on en parlera, qui n'a plus de fonds propres et qui est complètement sous perfusion. Pour illustrer ça sur ce que notre situation à ce jour, un bref rappel quand même. Donc le 16 mars, une première perfusion a été portée sur notre secteur d'activité qui est... Par provocation, je vais vous dire, Nathalie, c'est notre secteur, c'est un contaminant contaminé. Voilà. Et c'est le premier qu'on a arrêté tout de suite et on comprend pourquoi. On ne peut que se féliciter qu'on ait été interdit de travailler. Mais première perfusion immédiate dès le 16 mars, ça a été l'activité partielle. La crise a prospéré. Deuxième perfusion, sur le bras gauche ou droite, selon le premier, ça a été les PGE. On avait l'espoir à l'époque de reprendre en septembre. On prend la reprise en septembre, deuxième couche, deuxième crise, deuxième vague du Covid. On a planté là le fonds de solidarité. Le fonds de solidarité n'a pas suffi. La crise perdure. On nous avait dit démarrage début janvier 21 ou peut-être en tout cas au plus tard fin du premier trimestre. Et on est toujours à l'arrêt.
Donc maintenant, c'est les PGE2. Bon, tout ça signifie quoi ? Signifie que l'ensemble de notre secteur d'activité, qui est normalement nourri comme toute entreprise normalement constituée par des clients, est aujourd'hui sous coma artificiel et nourri, Dieu merci, par les aides notamment de l'État. Et là, de façon un peu solennelle, mais je voulais vraiment dire que toute notre profession est très reconnaissante aux dispositions que les pouvoirs publics ont prises et que notre souci aujourd'hui, c'est plutôt de se dire à l'instant T, on est très très heureux et on applaudit à demain aussi qu'on ait des effets d'annonce forts sur la reprise, parce qu'il faut recréer la confiance des personnes susceptibles de participer à des événements, qu'ils soient salons, congrès ou festivals. En revanche, on est sur des cycles et des temps longs, et entre l'effet d'annonce du président de la République aujourd'hui et la reprise exacte, là, on est très inquiet sur les conditions de sortie de crise économique. Ce qu'il faut, quand j'ai illustré ça sous forme de coma artificiel, aujourd'hui, l'ensemble de notre secteur d'activité donc, n'a plus de fonds propres, est surendetté, donc on parle de mur de la dette. Les spécialistes adorent, il y a quelques banquiers et comptables, le fameux gearing, ratio d'endettement sur les capitaux propres d'une entreprise est totalement inexistant chez nous. Et le monde bancaire, on s'interroge parce qu'il faut prendre la relance, on n'a plus rien dans les caisses. Et surtout, on nous dit il faut rembourser. Voilà, donc on a déjà perdu les trois quarts. Aujourd'hui, pardonnez-moi, je suis un peu long, mais je suis dans quelques comités qui réfléchissent à la sortie de crise. On diagnostique qu'on aura une entreprise sur deux dont on pourra, voilà, qui passeront à la casse. Et celles qui restera seront des entreprises qui devront présenter des modèles résilients. Donc il faut créer aujourd'hui, notre grand souci, c'est que ces 50% d'acteurs qui vont rester les deux pieds sur terre, on l'espère, puissent avoir les moyens d'accompagner la relance. Voilà. Et c'est de ce dont nous allons parler maintenant, puisqu'effectivement, on l'a compris, la réassurance, le renouveau de confiance, il va aussi s'appuyer sur des dispositifs très précis, très concrets, qui vont permettre effectivement d'investir dans cette relance. Merci beaucoup en tout cas, Philippe Rondeau, pour ce propos introductif. On vous retrouvera à la fin avec certainement plusieurs questions de notre audience. Alors, volontiers. On va lancer ce premier plateau et je vais donc du coup accueillir à mes côtés trois intervenants qui sont justement ces représentants, on va dire, institutionnels qui ont cette grande habitude d'accompagner au quotidien les entreprises. Donc je vais accueillir Alexis Lounis, qui est directeur des services à l'économie à la Banque de France, Jean-Nazaire Talla, directeur des projets stratégiques à la CCI de Bordeaux-Gironde, et Luc Bonzon, directeur du tourisme pour la région Nouvelle-Aquitaine. Messieurs, merci de me rejoindre. Merci beaucoup à vous tous. Alors, on l'a compris, hein, des enjeux que Philippe Rondeau nous a exposés, c'est voilà, comment vraiment... aujourd'hui, faire la différence, expliquer notre spécificité, notre pluralité aussi, hein, de toutes ces entreprises qui constituent notre chaîne de valeur événementielle. Comment aussi reprendre toute notre place dans l'économie de nos territoires et de notre pays. Et pour cela, effectivement, c'est important aussi de comprendre le rôle et les missions de ceux qui déjà sont auprès des entreprises et qui, dans cette période, ont en plus déployé un certain nombre de dispositifs spécifiques. Alors, je vais commencer avec vous, Alexis Lounis, si vous le voulez bien. Donc, vous êtes donc en charge des services à l'économie pour la Banque de France. Alors, avec vous, et bien sûr, les sujets qu'on va évoquer, qui sont bien connus de nos dirigeants. On va évoquer la cotation, on va évoquer évidemment la médiation au crédit, un sujet prégnant dans notre actualité, et puis aussi bien sûr les dispositifs. Alors sur le sujet de la cotation, c'est important je crois aussi peut-être, si vous le permettez, de réexpliquer l'intérêt et à la fois les recommandations hein, que vous pouvez faire aux dirigeants autour de ce sujet-là. Alors, parmi les nombreuses missions de la Banque de France, il y en a certaines qui vous concernent, vous, aujourd'hui, qui nous écoutez. Le service à l'économie, c'est des services à l'économie réelle.
que ce soit les territoires, les entreprises et même les particuliers, même si ce n'est pas notre propos d'aujourd'hui. Parmi ces missions, il y a la cotation. La cotation Banque de France, c'est une appréciation de nos experts analystes financiers sur la capacité de l'entreprise. C'est une vision un peu théorique, mais je reviendrai. Sur la capacité d'entreprise à honorer ses engagements à échéance de 3 ans. Voilà ce qu'on essaye de déterminer à travers cette cotation qui est, je voulais le rappeler, une cotation à dire d'expert. C'est-à-dire que ce n'est pas du scoring, ce n'est pas une cotation qui a été attribuée par une machine ou par un système d'intelligence artificielle, même si on utilise aussi ces méthodes. À dire d'expert, ça veut dire clairement que non seulement les éléments comptables sont pris en compte, mais pas uniquement, parce qu'une entreprise, ça n'est pas que les éléments comptables, même si ce sont des éléments importants. Nous attachons beaucoup d'importance aux aspects qualitatifs de la gestion d'entreprise. Le dirigeant, sa connaissance du métier, sa connaissance du marché, l'environnement dans lequel l'entreprise intervient, ses concurrents, ses relations avec ses clients, avec ses fournisseurs, ses relations avec son banquier, et j'insisterai particulièrement, mais je crois que des collègues banquiers le feront tout à l'heure, d'apporter ou de créer un réel partenariat avec son banquier. Donc tout un tas d'éléments extra-comptables qu'on ne peut pas lire dans un bilan ou qu'on ne peut pas lire dans un compte d'exploitation, mais qui peut parfois en être la traduction. On s'intéresse aussi à la stratégie, surtout dans cette période un peu mouvementée. La vraie question qui va se poser, c'est comment sortir de cette crise, avec quels moyens, avec quels projets, peut-être avec un modèle économique différent. On attache donc beaucoup d'importance à ces éléments qualitatifs. Cette cotation est donc une cotation à dire d'experts. C'est important de distinguer ça. Oui, je crois ça. Que c'est important, dans le contexte actuel, justement, aussi de rassurer sur la capacité à exprimer des projets et des modèles qui peuvent différer. Et peut-être le message à transmettre aujourd'hui aux dirigeants d'entreprise qui nous écoutent sur cette cotation Banque de France, c'est de ne pas hésiter à rencontrer les représentants de la banque si vous avez un désaccord ou des explications complémentaires à donner, encore une fois, parce que le qualitatif a beaucoup d'importance dans cette cotation. Et donc n'hésitez pas, d'une part, à prendre contact avec les services de la banque qui sont très ouverts par téléphone pour l'instant ou par webinaire, mais bientôt, j'espère, en présentiel. Nous avons aussi envoyé à 280 000 dirigeants d'entreprise, dont certaines de votre secteur d'activité, un questionnaire, justement, pour en savoir un peu plus et pour aller plus loin que il y a eu un PGE, effectivement, la rentabilité n'a pas été bonne cette année, par essence. Et donc, pour avoir des explications sur cette cotation. Donc, ne pas hésiter, effectivement, à rentrer à la fois en contact avec vos services directement et aussi, justement, quand vous tendez la main pour mieux comprendre et mieux connaître, effectivement, être aussi présent sur ces interrogations et y répondre. Sur cet aspect voilà, de cotation, alors, l'autre sujet important, hein, Banque de France, c'est la médiation au crédit. Alors, sujet qui, du coup, dans le contexte, aussi interpelle et intéresse un certain nombre de dirigeants. Voilà, pouvez-vous nous en parler un petit peu ? Tout à fait. Alors, la médiation du crédit, à ne pas confondre avec la médiation des entreprises, oui. Qui n'est pas du domaine de la Banque de France, a été déjà instituée en 2008, pour resituer un petit peu, lors de la première crise financière qu'on a connue au niveau mondial, et devant la difficulté des entreprises, dans cette période de crise, à trouver des financements. Et donc le rôle de la médiation du crédit, donc, qui est géré par la Banque de France, dans chaque département, le directeur départemental de la Banque de France est le médiateur du crédit. En Gironde, nous sommes plusieurs parce que le département est important. L'objectif est donc de permettre à des entreprises qui se sont vues refuser un financement, soit lors d'une demande de financement dans le cadre d'un projet, ou de demande de prêt de trésorerie, ou de ligne d'affacturage, ou qui se sont vus signifier par l'établissement de crédit que la banque n'avait plus, ne souhaitait plus continuer à assurer ses financements. Ça peut être aussi des refus de report d'échéance. Et je crois qu'on en a connu pas mal aussi pendant cette période-là. Ça peut être aussi des problématiques de relations avec les assureurs de crédit. D'accord. Le rôle de la Banque de France, donc la médiation du crédit, n'est pas de gérer des litiges, bien sûr, entre l'entreprise et l'établissement de crédit, mais d'essayer de trouver un accord qui convienne aux deux parties.
qui vont à la fois dans le sens du répondre aux besoins de l'entreprise et en même temps évaluer avec la banque le risque, ou du moins l'accompagner ou lui donner des éléments pour permettre à la banque d'évaluer son risque. L'objectif, bien sûr, n'est pas d'obliger les gens de crédit à financer si son comité d'engagement a considéré que le risque était trop grand, mais effectivement de faire ressortir et de discuter avec le banquier pour essayer de faire ressortir les éléments actuels. Et moi, j'attache beaucoup d'importance à la prospective, c'est-à-dire qu'une entreprise qui aujourd'hui a un besoin de financement, il est intéressant de s'intéresser à son passé pour voir s'il a généré par le passé des capacités d'autofinancement et de remboursement, mais surtout, pour nos collègues banquiers, l'important, c'est comment rembourser ce prêt et donc quelles sont les perspectives, quelles sont dans les 2 ou 3 ans à venir, les perspectives de rebond, de reprise. Et on a un terme qu'on utilise assez souvent avec nos collègues banquiers, c'est quelle était la capacité de résistance de l'entreprise pendant cette crise. Voilà. On parlait tout à l'heure de fonds propres, on parlait d'endettement. Voilà, dans, chaque entreprise étant singulière, comment ces entreprises ont pu résister. Et voilà. Donc la médiation a ce rôle, ben, comme son nom l'indique, de médiateur. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, en Gironde, on a à peu près reçu 700 dossiers depuis le début de la crise, alors qu'on en recevait 50 à peu près annuellement, pour donner à peu près l'échelle. Et aujourd'hui, dans un cas sur deux, on arrive à trouver une solution avec nos collègues banquiers qui ont joué pleinement leur rôle. Dans ce moment. Crise. Voilà. Donc, médiateur, bien sûr, important, donc ce rôle effectivement d'accompagnement. Et dans cette période, est-ce que du coup, il y a eu aussi peut-être des dispositifs un petit peu particuliers, complémentaires à vos missions habituelles, si j'ose dire, qui ont été déployés par la Banque de France, hein? Alors, pas de mission nouvelle, mais en fait, le déploiement de dispositifs qui existaient déjà. J'en nommerai 3 qui sont les principaux. Un premier, et l'idée derrière, c'est quoi? C'est, dans une période comme celle-ci, il ne faut pas rester seul. Je pense que le dirigeant d'entreprise, par nature, est souvent, le dirigeant ou la dirigeante est souvent un homme ou une femme seule. Donc, pas rester seul et profiter de l'occasion pour se poser peut-être des bonnes questions. Peut-être de faire un diagnostic, de faire un bilan, pas forcément un bilan comptable, mais un bilan un peu de... Je parlais de stratégie tout à l'heure, de se poser à un moment donné pour profiter de cette crise peut-être, saisir une opportunité de changer de modèle économique, de peut-être effectivement changer, pas d'activité, mais modifier ses produits, son activité ou ses orientations, sa stratégie. Et donc pour ça, on a plusieurs dispositifs qui peuvent aider. Il y en a un qui s'appelle Correspondant TPE, qui est un service totalement gratuit. Vous tapez correspondant TPE sur un moteur de recherche quelconque et vous rentrez ensuite le numéro du département et vous avez le numéro de téléphone direct de la personne qui vous répondra et son mail. Hein, c'est une personne dédiée. Son rôle sera de vous orienter dans un premier temps vers le bon interlocuteur selon votre problématique. C'est une sorte de... Ça sera de guichet unique, hein, comme le font peut-être d'autres de nos collègues, et dans lequel on essaye de faire gagner du temps aux chefs d'entreprise qui ne passent pas d'un service à l'autre. Voilà. Ça, c'est le premier dispositif, donc utilisez-le. Et c'est souvent par là aussi que les demandes de financement de PGE sont arrivées. Deuxième dispositif qui, là, est celui qui permettrait de faire un diagnostic et de faire aussi des prévisionnels, c'est un dispositif qui s'appelle Opal, que vous pouvez aussi aller chercher directement sur Internet ou sur le site de la Banque de France. C'est un outil d'intelligence artificielle qui permet aux dirigeants, une fois qu'on a vérifié que c'était bien le dirigeant d'entreprise, le ou la dirigeante de l'entreprise, pour des raisons bien sûr de confidentialité, le dirigeant pourra avoir en quelques minutes un diagnostic de son entreprise avec une comparaison sectorielle. Un autodiagnostic, quelque part. Voilà, un autodiagnostic et aussi une comparaison avec des entreprises de son secteur. Donc, il rentrera le code NAF qui correspond à son secteur, la taille de son entreprise en termes de chiffre d'affaires, s'il veut se comparer plutôt à l'échantillon national ou régional. Et il aura un rapport qui va lui permettre d'avoir une vision. Et puis, il peut pousser en disant, eh ben, je vais reprendre mon activité dans l'événementiel. Je vais essayer de voir ce que ça va donner dans les 2 ans, 1 an, 2 ans à venir, si je réduis ma salariale, si j'investis dans du matériel, etc. Et ça va lui faire un prévisionnel. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est un dispositif qui permet de savoir où on est et où on va. Ça, c'est pour les entreprises, j'allais dire, de taille relativement moyenne.
quand on va aller un peu plus loin, on a un autre dispositif qui s'appelle Géode, que certains connaissent déjà, qui est à peu près la même chose qu'Opal sur, l'objectif, mais qui est beaucoup plus poussé et surtout qui permet de bénéficier d'un analyste financier pendant un an, pendant une année, voire plus longtemps, qui accompagne l'entreprise. Alors, ce n'est pas de la co-gestion, hein, on est vraiment dans l'accompagnement d'entreprise sur la base du diagnostic pour construire la stratégie et notamment le prévisionnel étant que la réflexion, que la résultante de la stratégie. Mais vraiment, j'insisterai sur essayer de se poser des bonnes questions. Profiter de l'occasion. Hein, on veut dire que la plupart d'entre vous, peut-être, sont au plus bas, malheureusement. Et c'est l'occasion de se demander est-ce qu'on repart comme avant ou est-ce qu'il y a peut-être des décisions à prendre, des choix à faire et un cap à prendre. Être résilient et effectivement aller chercher la capacité de chacun à s'adapter. Et c'est de toute façon dans le quotidien le propre des entreprises événementielles. Merci beaucoup en tout cas pour ces éclairages pratiques. On reviendra vers vous tout à l'heure avec des questions un petit peu plus concrètes. Jean Nazertala, alors vous êtes directeur des projets stratégiques au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux-Gironde. Alors, une Chambre de commerce et d'industrie, elle a un rôle un peu d'intermédiaire, de coordination entre les métropoles, les EPCI, la région que nous accueillons tout à l'heure. Donc voilà, expliquez-nous bien ce rôle hein, d'intermédiaire et de coordination. Et puis même chose, vous avez-vous déjà les chambres de commerce l'habitude malheureusement d'accompagner les entreprises face à des difficultés. Donc la notion de prévention aux difficultés, ça fait partie de votre ADN. Donc peut-être nous rappeler là aussi les dispositifs peut-être déjà existants, mais qui sont déployés au sein des chambres de commerce. Merci en tout cas de me donner la parole au nom de la CCI Bordeaux-Gironde pour déjà essayer de vous dire ce que c'est qu'une chambre de commerce, mais très rapidement. Nous sommes des établissements publics dirigés par des chefs d'entreprise bénévoles et notre mission, c'est d'accompagner le monde économique. Alors, on intervient, on a la particularité d'intervenir sur tout le cycle de vie de l'entreprise. En création, nous sommes présents. En développement, nous sommes présents. En difficulté, malheureusement aussi, nous sommes présents. Et également en transmission et reprise d'entreprise. Dans un contexte d'acteurs qui se parlent, les chambres de commerce font partie d'un écosystème. Nous travaillons beaucoup avec la Banque de France. Nous travaillons beaucoup avec la région. Nous travaillons beaucoup avec la métropole de Bordeaux et les intercommunalités. Et c'est dans ce cadre que notre action, par exemple dans ce contexte de crise, s'est inscrite, où nous avons été aux côtés de la région, déjà à l'époque des Gilets jaunes, parce que malheureusement, notre territoire a été déjà impacté à ce moment-là, et dans le contexte des actions pour aider les entreprises face au contexte sanitaire. Nous avons travaillé d'arrache-pied avec les intercommunalités en gestionnaire de fonds, c'est-à-dire que nous avons instruit les dossiers, nous avons accompagné les entreprises auprès des collectivités et nous avons naturellement relayé l'information vers les chefs d'entreprise. Pour vous donner quelques éléments quantitatifs, sur l'année dernière, c'est plus de 12 000 appels qui ont été passés par les services de la CCI vers le monde des entreprises. Et c'est à peu près un peu plus de 3 000 entreprises qui ont bénéficié d'accompagnement assez structuré, soit parce qu'on recherchait de financement, soit parce qu'il fallait mettre en place du chômage partiel, soit parce qu'on avait besoin de mettre en place des moratoires auprès d'organismes publics. Donc voilà le type de choses que nous avons effectuées dans le cadre de la période que nous sommes encore en train de vivre malheureusement, oui. Mais qui est une période où j'ai envie de saluer aussi l'esprit de combat, je l'ai bien noté tout à l'heure, du président Rondeau, cette reconnaissance du monde économique vis-à-vis des pouvoirs publics, de savoir que les pouvoirs publics se sont mouillés la chemise et ont soutenu les entreprises. Je trouve que c'est positif que les entreprises le disent elles-mêmes, et c'est le message de Patrick Séguin, le président de la CCI, autant auprès des pouvoirs publics locaux qu'au niveau national. Donc je pense que cette reconnaissance, c'est aussi un engagement pour nous du monde économique, nous on est les représentants mais surtout les chefs d'entreprise, d'être maintenant au rebond et en capacité de rebondir et d'utiliser tous les outils qui sont mis en place pour pouvoir repartir. Vous avez posé la question de ce que nous faisons par rapport à la prévention. Donc déjà nous avons organisé une cinquantaine de webinaires
pour expliquer, informer, alerter le monde économique, notamment les entreprises qui ont le plus subi l'impact des fermetures, et en particulier celles de votre mouvement, même si elles n'ont pas été fermées, mais de fait, il n'y avait pas d'activité, donc ça revenait au même. Et là-dessus, le travail de la Chambre a été d'organiser un certain nombre d'activités de sensibilisation, des réunions d'information. Et nous avons mis en place un autodiagnostic. Alors, l'autodiagnostic, c'est vraiment l'outil pour accompagner le chef d'entreprise dans son quotidien, essayer de détecter les signes avant-coureurs, parce que le chef d'entreprise, les chefs d'entreprise en général, sont optimistes sur leur capacité à rebondir. Et très souvent, ils n'ont pas vu arriver les signes avant-coureurs qui implique qu'il faut vraiment changer de braquet et faire autre chose. Et donc, par rapport à cela, nous avons mis entre leurs mains un outil qui s'appelle « Comment va ma boîte ?». Il suffit d'aller sur Google et de faire « Comment va ma boîte ?». Et cet outil, il est basé sur 4 thématiques. On a essayé de vérifier, de donner quelques indicateurs en nous appuyant sur la situation de l'entreprise en matière de gestion administrative et comptable. Est-ce que tout est bien en place ou pas ? Nous avons regardé aussi la situation de l'entreprise dans ses relations avec les banques et le niveau de sa trésorerie. Nous avons regardé son activité commerciale et surtout la part du digital dans son business. Et nous avons regardé les relations client-fournisseur. Donc, sur les 4 thématiques, nous arrivons à ce que nous appelons pudiquement un indice de difficulté qui nous dit si l'entreprise est déjà en train de glisser sur la pente de la défaillance ou pas. On essaye d'être vraiment en amont de la difficulté. C'est pour cela que l'outil, on invite les entreprises à l'utiliser régulièrement, de temps en temps, quand on se pose des questions, quand il s'est passé un événement. Il n'y a pas besoin de chiffres. On est sur du déclaratif. Mais derrière ce déclaratif, les services de la Chambre prennent la main et vont réaliser un diagnostic. Alors, nous, on n'a pas des experts comme à la Banque de France. Donc, on utilise un système expert qui nous permet de mettre toutes les données financières et économiques de l'entreprise dans la machine et d'arriver à un système de score. Et nos conseillers d'entreprise vont le décrypter et surtout dégager de ce travail des axes d'amélioration des performances de l'entreprise. Donc voilà ce que nous avons essayé de faire sur cette période. On est vraiment sur la prévention, pour le coup, hein, aux difficultés, pour effectivement permettre aux chefs d'entreprise de pouvoir identifier les signaux d'alerte et d'alarme. Quand on parle par contre, effectivement, relance, un rebond, agilité, nouveau modèle, est-ce qu'il y a du coup peut-être aussi des dispositifs un peu plus spécifiques, hein, puisque dans les nouveaux modèles de demain, on va rechallenger le regard sur le numérique, sur le développement durable, sont des sujets évidemment qui vont être prégnants dans les modèles des entreprises de demain, d'ailleurs, quelles qu'elles soient, et plus particulièrement dans les métiers de l'événementiel. Est-ce que là-dessus, il y a des choses un peu spécifiques qui ont été identifiées dans les chambres de commerce, hein ? Alors, des outils sont identifiés. Déjà, j'aimerais rappeler que dans le cadre du plan de relance qui est mis en place par l'État, un certain nombre de dispositifs visant le développement de l'entreprise sur le digital sont mis en place, mais également sur toute la dimension développement durable. Et à l'échelle du territoire, les collectivités territoriales ont également remis des dispositifs complémentaires sur ces aspects. Alors, nous, notre rôle, ça va être d'utiliser notre posture d'externe à l'entreprise et de pouvoir aider le dirigeant à faire une analyse, entre guillemets, plus objective de son business model, surtout de le situer dans un environnement qui va bouger parce que les comportements des consommateurs changent, qui va bouger parce que, le président Rondeau le disait tout à l'heure, les performances économiques font qu'il y en a qui vont malheureusement être à la trappe. Donc, cela signifie qu'il faut se redéployer, il faut travailler différemment. Et nous, on va utiliser le fait d'être un partenaire de réflexion stratégique pour l'entrepreneur, pour justement accompagner cette réflexion sur les évolutions des business models. D'accord. Je pense, je lance ici une perche que nous puissions, ensemble avec l'UMENA,
et peut-être avec la région ou la Banque de France, organiser des séances. On en reparlera tout à l'heure, effectivement, sur cette idée de réfléchir à demain et de se projeter sur les modèles. Effectivement, demain, je pense que c'est effectivement une idée qu'on portera en fin de webinaire tous ensemble. Je vais me tourner vers un autre acteur très important du territoire, notamment dans son rôle, là, on l'a vécu vraiment concrètement, j'allais dire son rôle complémentaire à l'État, c'est la région. Et c'est vrai que ce qu'on aurait bien aimé que vous puissiez nous dire aujourd'hui, Luc Bonzon, donc vous êtes directeur du tourisme au sein du pôle développement économique de la région Nouvelle-Aquitaine, nous dire peut-être les actions qui ont été portées, pour le coup, alors en complément de celles de l'État, et surtout ce qui intéresse évidemment nos dirigeants, c'est les dispositifs un peu exceptionnels qui ont été mis en œuvre au regard du contexte tout particulier. Merci en tout cas de laisser la parole à la région et de pouvoir nous exprimer pour accompagner et pour dire comment en tout cas on accompagne les entreprises dans ce contexte un peu difficile et particulier, même si avec les réouvertures, j'ai envie de dire, il y a quand même des ondes positives. La crise n'est pas terminée et aujourd'hui effectivement la région, avec les différents dispositifs qu'elle a mis en place, avec les dispositifs qui ont été définis, on est bien dans l'accompagnement en tout cas également dans cette période de crise. Donc effectivement, la région a mis en place des dispositifs exceptionnels par rapport aux différents confinements et pour être quelque part ce qu'on appelle nous la voiture balai. Donc c'est-à-dire qu'on est en complément de l'État et on arrive en dernier recours et en dernier ressort. Et aujourd'hui, donc la région accompagne les entreprises, va plutôt accompagner les entreprises TPE et PME pour combler un besoin de trésorerie dans la période actuelle. L'idée et l'objectif de tout ça, c'est bien de permettre à l'entreprise de pouvoir redémarrer son activité, redémarrer et rebondir, et on en parlera peut-être tout à l'heure. De manière assez concrète et très opérationnelle, la région a mis un certain nombre de dispositifs en place, mais je ne reviendrai pas dessus. Et aujourd'hui, en tout cas, il existe deux dispositifs qui permettent d'accompagner les entreprises dans la période. Donc il y a un fonds d'urgence régional, volet 3. Donc le volet 2 vient de se terminer et les dossiers viennent d'être clôturés. Mais nous sommes en train d'ouvrir un volet 3 pour justement accompagner les entreprises et leurs besoins en trésorerie sur le confinement que nous venons de connaître. Et donc là, on va accompagner à la fois les TPE-PME de 3 à 49 salariés sur effectivement leurs besoins de trésorerie, sur des montants allant de 5 000 à 40 000 euros, suivant la taille de l'entreprise et également suivant le besoin. Cette plateforme, aujourd'hui, elle n'est pas encore déployée, elle va être réouverte, puisqu'on a clôturé le volet 2. Donc là, on va ouvrir dans les prochains jours le volet 3 pour que les entreprises puissent déposer leurs demandes. On a une date, on sait à peu près Aujourd'hui, on n'a pas de date, mais ça, en fait, dans les prochains jours, d'accord. et j'espère en tout cas, d'ici la fin mai, grand maximum, qu'on puisse effectivement ouvrir cette plateforme, modulo les quelques ajustements en tout cas et mises à jour qu'il nous convient de faire. Le deuxième dispositif, c'est un dispositif de prêt. Alors, même si effectivement le président Rondeau a parlé tout à l'heure de du mur de la dette et effectivement les entreprises vont devoir faire face à un mur de dette, aujourd'hui c'est une solution parmi d'autres, mais une solution de prêt en partenariat avec le réseau bancaire, puisque la région avec les banques a mis en place un prêt résilience qui permet effectivement de conclure des prêts compris entre 10 000 et 300 000 euros sur une durée de 6 ans, dont 2 ans en différé. Et ce fonds, il est doté de 100 millions d'euros, dont 20 millions d'euros par la région. Et donc, c'est une solution, en tout cas, de financement aujourd'hui offerte aux entreprises. Ce dispositif, il est déjà actif ? Ce dispositif est actif. D'accord. En termes très opérationnels, il convient de vous rapprocher en fait de vos conseillers bancaires. D'accord. Et c'est la banque qui vous propose et qui peut vous proposer ce produit.
OK. Donc là, on est sur des dispositifs un peu exceptionnels, on est d'accord, hein, qui sont effectivement à la fois voilà, des accompagnements ponctuels de résilience, comme vous les avez appelés, et puis effectivement, cette notion de prêt. Est-ce qu'il y a peut-être des dispositifs qui existaient déjà et peut-être qu'on ne connaissait pas bien, voilà, parce qu'on n'était pas forcément à s'interroger sur ces modes-là. Donc, est-ce qu'il y a des dispositifs existants qui peuvent aussi peut-être compléter déjà à la base ce que vous venez de nous annoncer ? Tout à fait. En fait, il existe des dispositifs qui n'ont pas été conçus pour la crise, mais qui continuent à perdurer. Et j'ai envie de dire qu'il y a deux types de dispositifs. Des dispositifs de type plus financier, mm-hmm. Qui sont aujourd'hui possibles de mobiliser, comme par exemple les fonds de garantie. C'est-à-dire que la région, par l'intermédiaire d'opérateurs, comme BPI France ou la CIAJ, il peut en tout cas vous permettre de garantir une dette bancaire et quelque part de convaincre la banque de pouvoir consentir à un prêt. Les deux fonds aujourd'hui, suivant votre activité mobilisable, sont effectivement le fonds régional de garantie avec BPI France ou le fonds de garantie avec la CIAJ. Et la CIAJ, effectivement, s'adresse plutôt au commerce. Commerce et à l'artisanat. Un deuxième volet, au-delà du volet de garantie, le président Rondeau, on a parlé tout à l'heure, sur le renforcement des fonds propres. Aujourd'hui, effectivement, la région est dans à peu près une trentaine de fonds. Elle en anime en propre et par l'intermédiaire de sociétés de gestion. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en capacité de pouvoir offrir des solutions de financement, de pouvoir offrir des solutions de renforcement de fonds propres. Et pour ce faire, il convient plutôt de se rapprocher soit des services de la région pour étudier quel est le fonds mobilisable, ou de se rapprocher de ADI, notre agence de développement et d'innovation Nouvelle-Aquitaine, qui pourra également aiguiller les entreprises sur les différents fonds à mobiliser. OK, donc on retient effectivement aussi le recours à des dispositifs qui existaient avant la crise et qui peuvent aujourd'hui aussi faire partie de la boîte à outils régionale. Donc ne pas hésiter à se rapprocher effectivement et notamment de l'ADI qui peut orienter selon les demandes. Merci beaucoup en tout cas Luc Bonzon de cet état des lieux. Merci Messieurs. On va passer maintenant peut-être à des questions un peu plus pratico-pratiques, hein, parce qu'évidemment nos adhérents ont exprimé aussi un certain nombre de préoccupations. Donc on va essayer de leur répondre. Pour ce faire, je vais demander à Claire Safor et Olivier Bildet de nous rejoindre sur le plateau, si vous voulez bien. Merci beaucoup. Bonjour. Je me sens mieux. Voilà, un visage féminin à mes côtés, ça va mieux. Merci beaucoup à vous deux de nous avoir rejoints. Alors c'est vrai que là, on va être plutôt sur des questions un petit peu pratiques. Claire Safor, donc, vous êtes responsable de la filière tourisme pour le marché des professionnels et des associations pour le Crédit Agricole et pour l'Aquitaine, mais vous allez aujourd'hui parler au nom de tous vos collègues hein, de Nouvelle-Aquitaine, puisque notre région est effectivement vaste. Et Olivier Bildet, merci beaucoup d'être là. Donc vous êtes commissaire aux comptes, expert comptable associé dans le cabinet Inextinso à Bordeaux. Donc merci à tous les deux de nous rejoindre. Alors je vais commencer avec vous, Claire, puisque le premier volet de questions que nous avons, c'est, on l'a compris, cette crise, bien sûr, elle est finie, mais pas tout à fait. Pour nous, nous avons un secteur tout à fait particulier qui a des cycles de production longs, qui a des cycles de décision longs, en lien avec des annonceurs qui, eux aussi, doivent sortir de cette crise et de ce moment. On a donc énormément de spécificités. On a une pluralité de tailles d'entreprises, hein, des plus petites, hein, des auto-entrepreneurs jusqu'à des entreprises plus importantes. Et c'est vrai que cette reprise, vous l'avez compris, pour nous, elle va être extrêmement progressive, avec aussi l'impact des jauges, l'impact du pass sanitaire, etc. Donc, toutes ces spécificités-là, est-ce que les banques, le Crédit Agricole en l'occurrence, les a bien entendues? On a besoin d'être rassuré
sur la capacité, en tout cas, des banques d'être à l'écoute de ce secteur particulier et la volonté, évidemment, de continuer à accompagner le secteur. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments de rassurance ? Je peux tout à fait, effectivement. Là, je parle, comme vous le disiez, au nom du Crédit Agricole. Moi, je suis sur Crédit Agricole Aquitaine, 3 départements au sein de la Nouvelle-Aquitaine, donc les Landes, la Gironde et le Lot-et-Garonne. Et ce que je peux dire déjà, qui est valable sur ces 3 départements, mais plus largement sur la région, c'est que l'on veut accompagner, toujours accompagner, l'économie du territoire. Ça, c'est très important. Et depuis le début de la crise, on est fortement mobilisé, fortement engagé. Ça se traduit comment ? Ça se traduit par la mise en place de PGE, dont vous avez parlé, les uns et les autres, massivement, avec plus de 1 milliard d'euros aujourd'hui qui ont été mis en place, 1 milliard d'euros de PGE, et des prêts sur les crédits qui étaient déjà en cours auprès de tous les entrepreneurs du territoire. Donc il y a plus de 8000 prêts qui ont été mis en pause. Donc ça, c'est pour vous montrer de manière très factuelle l'envie, la motivation, l'engagement dont on fait preuve pour accompagner les entrepreneurs du territoire. Sur le volet plus spécifique de l'économie de l'événementiel, en fait, tout à fait, on veut là aussi être aux côtés des chefs d'entreprise qui sont impactés de plein fouet par la crise. Alors ça se traduit comment ? Ça se traduit de manière très concrète par l'octroi de ce que l'on appelle les mesures spécifiques et qui sont portées par le gouvernement, en fait, hein, au même titre que les entreprises du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration, les entreprises de l'événementiel ont droit. Alors, on l'a dit, au volet des pauses crédits, donc il y avait les spécificités qui continuent d'être actives jusqu'au 30 juin. Donc ça, c'était tout ce qui était pause de tourisme, notamment. C'est pour la possibilité de mettre les crédits qui sont déjà en place sur l'entreprise, on pouvait les mettre en pause sur 12 mois. Donc ça, c'est encore valable. Au-delà de l'aspect pause sur les crédits en place, il y a le côté PGE. Et dès lors qu'on est sur une entreprise de l'événementiel, on a droit au PGE qui s'appelle le PGE saison. Là, l'idée, c'était étendre... Enfin, il y a une règle du jeu sur les PGE. Le gouvernement a indiqué aux banques quel était le plafond pour chaque entreprise, le plafond éligible. Une entreprise, pour savoir quel PGE elle a droit, le montant, elle prend simplement 25% de son chiffre d'affaires réalisé en 2019. Donc, vous voyez, 2019, c'est la référence avant crise. Donc, ça permet aux entreprises qui avaient un régime de croisière, on se raccroche vraiment à ce qui se passait avant la crise. Pour le cas des entreprises de l'événementiel en l'occurrence, on maximise ce plafond puisqu'on peut partir sur les 3 mois de plus forte activité de cette même année 2019. Donc ça permet du coup d'avoir un accompagnement en trésorerie qui est plafonné à un montant qui est juste par rapport à la réalité de l'entreprise. Donc ça c'est pour le côté détermination du plafond. Pour autant, ce n'est pas parce qu'un plafond est déterminé qu'on fait le prêt à cette hauteur-là. Un PGE reste un prêt, effectivement, on l'a évoqué par vos différentes interventions. Quand on étudie un financement, une banque reste une banque et doit s'assurer de la capacité de l'entreprise à rembourser ce prêt. Donc on pense, tout à l'heure, M. Mounis parlait de capacité de résistance, comment l'entreprise est comportée et se comporte encore pendant la crise. Et surtout, ce qui est important, c'est on part de l'étude des chiffres économiques, le volet économique et financier sur ce qui se passait en 2019, ce qui s'est passé en 2020 et surtout, quelle est la projection de l'entreprise dans l'après-crise. Alors, personne n'a de boule de cristal, ça c'est évident. Pour autant, quand on étudie un endettement, au-delà de la notion de plafond auquel une entreprise a droit, ça c'est les textes, c'est l'État, hein, le gouvernement qui a dit très clairement à combien une entreprise pouvait prétendre en termes de plafond PGE, en l'occurrence PGE saison, pour autant, c'est la notion d'endettement final qui nous permet de mettre le curseur sur le montant d'emprunt que l'on fera réellement. Donc ça, c'est pour, de manière très concrète, pour vous amener à vous projeter sur la situation de votre entreprise. Il y a ces deux aspects-là. L'aspect « je détermine un plafond selon les règles de l'État » et « je resserre le curseur sur mon entreprise à moi par rapport à l'activité réelle qui était dégagée avant la crise, ma capacité de résistance pendant la crise et ma projection » à partir de ce que je peux envisager, sans boule de cristal, je vous l'accorde, sur l'après-crise.
Oui, et c'est là où toute la difficulté, évidemment, de notre secteur, on a entendu tout à l'heure voilà, notre président l'indiquer, c'est clair qu'effectivement, on va être là sur un secteur qu'on va considérer un peu insolvable, au vu à la fois de l'année et demie, presque deux ans, effectivement, d'inactivité, la capacité, effectivement, réduite quand même encore, hein, sur les quelques mois à venir à se projeter. Donc, dans ces arbitrages, dont on comprend bien hein, les équilibres voilà, financiers, est-ce que du coup, cette spécificité de notre secteur d'activité, il va être vraiment réellement pris en compte au regard de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, hein, le cycle de production, la reprise progressive. Nous malheureusement, on ne peut pas faire du stop and go parce que voilà, hein, on ne va pas réouvrir nos terrasses demain matin. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, voilà, donc est-ce que du coup, cette inquiétude-là, hein, qui est vraiment une forte inquiétude de nos adhérents, on peut imaginer qu'il y a des zones de discussion, d'échange? Bien entendu. C'est M. Mounis tout à l'heure qui parlait aussi de partenariat. C'est tout à fait ça. En fait, dans ce contexte de crise, le réflexe numéro un, c'est d'aller voir son banquier qui est un partenaire. Alors, on l'a dit, hein, on a déjà mobilisé plusieurs mesures pour accompagner, mais les mesures sont spécifiques à la situation de crise. Mais on est là pour se projeter sur l'après. Donc, notre ambition à nous, c'est accompagner l'après. Pour dessiner l'accompagnement, chaque cas est un cas. Et pour identifier la meilleure solution pour se projeter sur la suite, c'est discuter. Et c'est un chef d'entreprise qui est capable de dire à son banquier comment il envisage la suite, quels sont les contrats qu'il avait, quels sont les contrats qu'il pourra retrouver. On est convaincu que l'économie va repartir. On le voit. Pour ma part, je m'occupe du secteur du tourisme et de l'événementiel en général. On le sait que c'est un secteur résilient. Tout le monde emploie fortement ce terme. C'est une réalité. On le voit aujourd'hui quand on voit le monde en terrasse, c'est que les gens ont envie de repartir sur une vie à peu près normale. Donc sur le secteur de l'événementiel, ça repartira aussi. Dans quelle mesure une entreprise peut se projeter? C'est sur la base de l'existant et ce que le chef d'entreprise peut nous dire que l'on va savoir si l'on peut l'accompagner ou pas. Encore une fois, le chef d'entreprise n'a pas la boule de cristal, le banquier non plus, mais c'est effectivement sur des études et des éléments très factuels que l'on va pouvoir se positionner pour continuer à accompagner. Donc, je crois que là, effectivement, les associations professionnelles ont peut-être aussi toute leur place dans l'échange avec vous. Alors, dans ce volet accompagnement hein, face aux difficultés du moment, Olivier Bildé, moi, j'avais envie de vous interroger du coup sur aussi votre rôle à vous. Dans ce moment-là, on a tous remplis dans tous nos papiers administratifs, un certain nombre de choses. Et notre expert comptable est devenu, du coup, un partenaire là aussi, plus qu'avant peut-être, pour certains d'entre nous. Et notamment, c'était cette notion que je voulais évoquer avec vous de tiers de confiance, hein, puisqu'on a dû voilà, justifier d'un certain nombre de choses et avoir à nos côtés ce tiers de confiance pour nous accompagner dans nos démarches, notamment auprès de l'État. Donc, c'était intéressant d'avoir votre regard sur votre rôle et votre mission. A-t-elle bougé? Comment vous l'avez ressenti et comment, du coup, vous la menez au quotidien dans ce moment de difficulté? Oui, tout à fait. Alors d'abord, je veux revenir sur la notion de tiers de confiance, parce que la notion de tiers de confiance, ce n'est pas une notion très récente, finalement. Elle existe depuis une dizaine d'années. Je crois que c'est un décret de 2010 qui avait initié cette notion de tiers de confiance. Et c'était une notion qui avait pour rôle initial d'accompagner plutôt le volet je dirais personnel du dirigeant, puisqu'on représentait un foyer fiscal. Au départ, c'était un peu ça. D'accord. Donc, sur la partie, je dirais, plutôt dirigeant. Un expert comptable, il accompagne les entreprises, mais il accompagne aussi les dirigeants de ces entreprises. Mmh. Donc, cette notion-là, elle a été, donc sur ce volet fiscalité, elle a été un petit peu élargie dans ce contexte de crise, puisqu'on a été sollicité, enfin, surtout les entreprises de certains secteurs qui sont... ceux que vous représentez aujourd'hui, le café, hôtel, restaurant, l'événementiel, ont eu l'obligation, lorsqu'ils ont demandé certaines aides d'État, certaines aides bancaires, etc., soit d'attester sur l'honneur qu'ils avaient chez eux un document qui attestait, un document venant de leur expert comptable tiers de confiance qui attestait certaines choses, soit de présenter cette attestation. Attestation qui pouvait être attestation de chiffre d'affaires, les banquiers nous l'ont souvent demandé, attestation d'excédent brut d'exploitation, situation de trésorerie diverses et variées sur certaines périodes. C'est vrai qu'on a eu un rôle, alors on a toujours eu un rôle d'accompagnement des entreprises et de leurs dirigeants, mais c'est vrai que dans ce contexte de crise,
On a eu aussi un rôle d'accompagnement et de, vous l'indiquez, je crois, tout à l'heure, monsieur, le chef d'entreprise est souvent une personne finalement seule. Elle a besoin bien souvent d'être accompagnée et de parler aussi à des partenaires. Et c'est vrai que dans ce contexte de crise, on a eu un rôle tout à fait important, tant pour leur permettre de percevoir certaines aides que de les rassurer aussi et les accompagner dans un rebond à venir. Dans la capacité à rebondir. Tout à fait. Et c'est de ça dont on va parler maintenant sur cet autre volet de questions. Hein. On l'a compris, dans l'accompagnement d'aujourd'hui et de demain, ça va être cette capacité à tout mettre en œuvre pour rebondir, cette capacité à être agile. Alors, nos entreprises événementielles ont l'habitude de l'être, hein, mais en tout cas, peut-être de poser des modèles, hein, ce que vous avez tous vraiment évoqué. Donc, pour, par contre, envisager cet avenir sereinement, il va aussi falloir se poser un certain nombre de questions. Alors, on va revenir à vous, Alexis Lounis, parce qu'alors cette cotation dont on a parlé tout à l'heure, cette notation des entreprises, on voit bien que, vu tout ce qu'on a entendu, quelque part la cotation des entreprises de la filière événementielle, elle va être fortement dégradée. On va être du coup sur un secteur en réelle difficulté. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Est-ce qu'on peut imaginer à un moment donné qu'on peut geler des exercices comptables? Est-ce qu'on peut imaginer qu'à un moment donné, la notation prenne en compte différemment certains exercices? Comment, du coup, vous allez, avec vos experts, vous positionner par rapport à ce sujet de notation et de cotation qui est parfois, pour les entreprises, du coup, un levier ou un handicap? Surtout dans votre secteur qui a connu non pas une fermeture administrative, mais une absence d'activité par nature. Juste pour dire que dans un premier temps, et dès le 17 mars 2020, la Banque de France a regardé avec beaucoup d'attention la situation et n'a pas systématiquement dégradé les entreprises dès le début de la crise, parce que certaines présentaient déjà des signes de grandes difficultés. Donc, dans un premier temps, les banques ont joué le jeu aussi en ne déclarant pas forcément les incidents de paiement de manière aussi systématique, en accordant un certain nombre de souplesse. Donc, on a pu déjà, dans un premier temps, ne pas dégrader de manière brutale et systématique les cotations dès le début de la crise. Ceci étant, la problématique est que cette cotation, elle est utilisée par les entreprises, mais elle n'est pas utilisée que par les entreprises. Elle est bien sûr utilisée aussi par nos partenaires banquiers dans le cadre de la maîtrise des risques, mais c'est aussi un instrument de politique monétaire. Absolument. Puisque nos collègues banquiers se refinancent auprès de la Banque Centrale Européenne à travers les créances qu'elles détiennent sur cette cotation. Et de manière plus large, cette cotation sert aussi, en termes de stabilité financière, à vérifier que les banques ne prennent pas de risques inconsidérés et qu'ils ont les fonds propres. Oui, donc l'implication de la cotation, elle est au niveau de l'entreprise, mais elle est aussi d'une manière générale. Donc, je vais prendre un exemple extrêmement, extrêmement brutal. Si on ne dégradait pas la cotation des entreprises, sans tenir compte de la situation d'aujourd'hui, il y aura des incidences et des conséquences sur tout le reste de la chaîne, où les banques ne seraient pas sûres que cette cotation soit effectivement fiable. Et donc, le risque ne serait pas calculé de manière pertinente. Et de même, le financement des banques ne serait pas assuré. Donc, l'objectif est de trouver un équilibre. C'est ça. Quelle recommandation, du coup? Voilà. Quelle recommandation aux dirigeants? On fait comment? C'est trouver un équilibre. Alors, il y a un certain nombre d'entreprises de votre secteur qui n'auront pas de chiffre d'affaires cette année. Mm. Voilà. Donc, pour autant, la Banque de France ne va pas dégrader votre cote au niveau le plus bas, en disant, vous êtes proche de la liquidation judiciaire ou des dépôts de bilan. Bien entendu, on va analyser, comme je disais tout à l'heure, un certain nombre d'éléments, et surtout, on va analyser la capacité d'entreprise à rebondir. Je pense que c'est ça qui va être important dans la discussion, dans l'échange, dans la connaissance qu'on aura de l'entreprise, aussi bien au niveau des établissements de crédit que de notre part. Ce qui va être important, c'est de pouvoir se projeter avec le dirigeant. Donc la cotation risque, oui, d'être dégradée pour certains, parce qu'il y a à un moment donné, les fondamentaux ne sont plus là et qu'il va falloir... mais c'est pas forcément ce ne sera pas forcément le plus important. Le plus important, à un moment donné, parce que la cotation peut être vue. Oui. Peut être vue. Il faut que les personnes présentes ici le sachent. On peut recevoir des situations intermédiaires. Dans quelques mois, quand la reprise sera là,
on est en capacité de prendre en compte, avec un échange de dirigeants... Une sorte de capacité de révision. Exactement, une situation intermédiaire qui montre que eh bien, la reprise est là, qu'effectivement, on n'est pas encore dans une situation normale, mais qu'on va dans le bon sens. Et la cotation pourrait, dans ce cas-là, être révisée. Oui, tout à fait. Non, mais c'est important ce sujet, effectivement, quand même, de la valorisation. Et du coup, je vais me tourner vers Olivier Bildé aussi. Voilà, parce que, même chose, hein, le commissaire aux comptes, alors c'est votre casquette commissaire aux comptes qui m'intéresse là. Vous avez évidemment dans vos missions hein, un devoir d'information, d'alerte, quand les situations des entreprises deviennent complexes. Sauf qu'aujourd'hui, les ratios habituels qu'on manipule de façon effectivement systématique, comment du coup allez-vous les aborder ? Est-ce qu'on pourrait... imaginer pour le coup, et aussi comme outil, pour aller vers le banquier, vers la Banque de France, imaginer peut-être de revoir un peu le carnet de route de l'entreprise, c'est-à-dire se dire, à un moment donné, peut-être que la valorisation, il faut qu'on remonte à quelques années en arrière. Comment du coup allez-vous aborder ce sujet-là, qui est aussi un sujet d'inquiétude pour nos entreprises ? Alors c'est un sujet, effectivement. Alors je vais juste revenir sur le commissaire aux comptes n'a pas qu'un devoir d'alerte, il a aussi... Et d'abord, une mission d'intérêt général. Bien sûr. Sa mission, parce qu'elle consiste à certifier que les comptes sont sincères, réguliers, et donc que la véracité des données financières sont bien là. Oui. Donc, alors, là aussi encore, il n'y a pas de commissaire aux comptes dans toutes les sociétés. C'est vrai. Alors là, je ne vais peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais il y a des seuils de chiffre d'affaires, de total bilan, de nombre de salariés. Oui. Qui déclenche l'obligation légale de faire appel à un commissaire aux comptes. Ensuite, effectivement, le commissaire aux comptes, il a un devoir d'alerte. Il a un devoir d'alerte et dès lors qu'il prend connaissance de faits qui peuvent compromettre la continuité d'exploitation d'une entreprise, là encore, je n'étais pas rentré dans le processus d'échange entre le commissaire aux comptes et le dirigeant et le tribunal de commerce, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, lorsque le commissaire aux comptes se dit « Bon, ben cette structure, moi, à horizon 12 mois, j'ai du mal à percevoir une sortie de crise, la continuité de l'exploitation est menacée, je tire la sonnette, j'écris au dirigeant, le dirigeant doit revenir vers moi avec... soit des solutions, soit un business plan qui permet ou un carnet de commandes qui permet de rassurer un petit peu la vision que peut avoir le commissaire aux comptes sur la situation de l'entreprise. Et donc, avec ces éléments-là, le commissaire aux comptes prend ses décisions. Mais quoi qu'il en soit aujourd'hui, c'est vrai que les situations de trésorerie des entreprises en général, on l'a dit à plusieurs reprises, bon, il y a eu des PGE, il y a eu phase 1, des PGE phase 2. Aujourd'hui, pour certaines structures, ces PGE ont été consommés, pour d'autres, bon, ils ne l'ont pas été, heureusement. Mais quoi qu'il en soit, les trésoreries des entreprises sont quand même aujourd'hui au rendez-vous, en tout cas à date. Le commissaire aux comptes, lui, lorsqu'il pose son opinion, il la pose sur un horizon 12 mois. Il ne va pas dire que la continuité de l'exploitation elle est menacée à 36 mois. Enfin, c'est un peu compliqué de voir ce qui se passe dans 3 ans. Donc à horizon 12 mois, je dirais que aujourd'hui la position du commissaire aux comptes, avec un PGE qui aujourd'hui n'est pas exigible, finalement, elle est pas spécialement, je pense, en tout cas, je parle un petit peu sans dossier sous les yeux, mais elle n'est pas menacée pour toutes les structures qui aujourd'hui ont un PGE qui n'est pas encore amorti. Alors justement, sur l'idée du PGE, voilà. Pardon, non, alors, non, et du coup, effectivement, lorsque ce PGE, parce que vous voyez me regarder, mais lorsque ce PGE va devenir amortissable, donc... Oui. Donc là, on a eu un petit report à N plus 1, oui, exigible plutôt qu'amortissable. Du coup, il va falloir quand même, le commissaire aux comptes, là, devra quand même s'assurer que les structures ont la capacité de rembourser ces prêts garantis. Voilà. Et à ce moment-là, ça deviendra un sujet.
Alors la question en plus, hein, qui est du coup, en tout cas dans les activités événementielles dont nous parlons cet après-midi, c'est qu'on a parlé effectivement de capacité à rebondir, hein, de relance. Un certain nombre de nos entreprises vont aussi dans cette période de reprise devoir investir. Parce que la relance, elle ne va pas se décréter. Quand on parle des modèles de demain, la résilience, elle va avoir un coût. Donc ça veut dire qu'il va falloir investir dans des nouveaux produits, dans des nouveaux services. On a parlé tout à l'heure, hein, voilà, du développement durable, du numérique, etc. Voire même, pour certains, dans de l'acquisition de matériel, par exemple. Alors Claire Safford, comment on fait ? C'est-à-dire qu'on a un PGE qui n'est pas encore exigible. Peut-être même qu'on va aller en chercher un PGE2, voilà, pour un certain nombre d'entre nous. Et puis, en même temps, on va aussi avoir besoin peut-être de crédits fournisseurs et peut-être même, effectivement, de crédits à court terme parce que quand on est organisateur d'événements, on a beaucoup pris dans sa trésorerie pour assurer les charges. Maintenant, il va falloir produire. Les acomptes clients, on ne les a plus parce qu'on les a dépensés. Mais par contre, la manifestation, il va falloir l'organiser. Donc ça, c'est des problématiques du quotidien de nos entreprises. Et là, on va se retourner vers le banquier. Qui va nous dire, oui, vous avez déjà PGE 1, PGE 2, et après, vous venez me chercher un crédit. Quelle va être, du coup, pour le coup, l'attitude du banquier, Crédit Agricole en l'occurrence, par rapport à cette situation qui, voilà, qui à mon avis, va être une situation récurrente dans nos métiers. Alors, on a parlé du PGE 1 en PGE 2. En fait, pour le banquier, c'est le PGE tout court. C'est-à-dire qu'un PGE, on a déterminé un plafond et on a le droit de faire plusieurs tirages. C'est ça. À chaque fois que je fais un tirage, je fais un nouveau crédit, un nouveau PGE. Oui. Donc, une entreprise peut avoir 3 PGE du moment qu'on respecte le plafond imposé par l'État. Maximum. Donc ça, c'est la photo de départ. Que faire de ce PGE en fonction des projets que j'ai sur mon entreprise ? Ça, c'est la question et c'est encore une fois du cas par cas. Si je suis une entreprise qui se projette et qui a besoin de réinvestir, là, je parle d'investissement sur du moyen terme parce qu'il faut du nouveau matériel, il faut répondre aux nouvelles attentes des consommateurs et pour l'organisation de salons ou autre, ça s'entend. Là aussi, ça s'étudie sur la base de prévisionnels faits en étroite collaboration avec son expert comptable. Quand on se projette donc sur un nouvel endettement, le conseil numéro un, c'est dire le PGE, s'il n'y a pas de trésorerie à date sur l'entreprise, on va le transformer, passer les 12 premiers mois où on ne paie pas, puisqu'il y a un différé total. Ce PGE, je le transforme sur la durée la plus longue possible, à savoir sur 5 ans. Il est possible pour moi de demander un an de différé supplémentaire. Voilà, donc sur cette année supplémentaire de différé, je paierai quand même les intérêts. Pour autant, j'aurai encore de l'oxygène en termes de trésorerie et je me projette sur la durée maximale d'amortissement de ce PGE. Donc ça, c'est le premier conseil que l'on donne. Si par cas, je suis une entreprise, il peut y en avoir aussi, qui ont encore un peu de trésorerie, qui ont de la trésorerie et qui ont vraiment besoin de se réendetter sur des projets beaucoup plus lourds parce que beaucoup plus structurants, là, peut-être que la solution, c'est de rembourser le PGE. Certains ne peuvent le faire. On a forcément l'idée, en période de crise, avec des activités mises à zéro, on a une idée de trésorerie à sec. Ce n'est pas forcément le cas pour toutes. Donc, pensons aussi à ces entreprises-là. Parfois, il est plus utile et plus raisonnable pour l'entreprise de rembourser quand elle peut le PGE pour repartir sur un endettement allégé et se projeter sur de nouveaux investissements pour un crédit à plus long terme. Projets. Voilà. Donc là, c'est une jauge que l'on cale en fonction vraiment de la situation d'entreprise. Encore une fois, on part vraiment sur l'étude de l'étude économique et financière sur la base des chiffres 2019. Ouais. 2020, on est tous d'accord pour dire que ce n'est pas du tout une année de référence. 2021, non plus. C'est compliqué. Non plus. Vraiment, sur la base de l'étude 2019, la projection que l'on peut faire sur un prévisionnel sur la suite, c'est là qu'on va se positionner pour accompagner les futurs projets. Ça, c'est pour le côté investissement sur le moyen terme. Sur le volet trésorerie pure, le raisonnement va rester un peu le même. Alors, lorsqu'on parle de trésorerie et de cycle d'exploitation, on s'attarde moins sur le volet d'endettement. Oui. Dans ce cas-là, on va avant tout regarder la structure financière de l'entreprise. Si j'ai une structure financière, une assise financière qui a été considérablement grignotée parce que forcément il a fallu utiliser la trésorerie de l'entreprise, mais l'étude du coût du financement de cycle d'exploitation, donc du court terme pur, crédit fournisseur ou autre, crédit court terme divers et variés, ça, c'est sur cette partie-là que ça va être plus compliqué parce que quand on fait un crédit court terme, on doit bien respecter des règles, nous, en tant que banquier, sur l'assise financière. Il se peut, du coup, que l'on étudie plutôt des solutions pour renforcer la trésorerie avec des financements qui ont été évoqués tout à l'heure en partenariat avec la BPI, en partenariat avec la région, parce qu'il y a aussi des prêts qui ont été conçus pour ça
qui existaient avant la crise et les dispositifs qui ont été étoffés du fait de la crise. Donc on élargit, on enrichit l'ingénierie financière en fonction de la situation financière de l'entreprise. Donc oui, on continue à accompagner et on affine les modalités d'accompagnement en fonction de la situation de l'entreprise. Oui, parce que la question du coup de la consolidation de la dette va se poser. Donc effectivement, ce qu'on comprend quand même dans votre propos, c'est cette capacité peut-être aussi à mixer des solutions. Oui. Voilà, pas simplement purement bancaire et d'avoir du coup un ingénierie plus large. Et du coup, Luc Bonzon, j'avais une petite question là-dessus. C'est vrai que du coup, est-ce que la région, pour le coup, qui maîtrise bien son territoire, les forces de son territoire, la connaissance de ses entreprises, cette proximité. Voilà. Est-ce que du coup, elle peut peut-être jouer dans cette ingénierie un peu globale un rôle particulier pour peut-être mieux comprendre, mieux décoder les situations particulières de ses entreprises ? En fait, la région, dès lors qu'elle définit des dispositifs, elle ne les définit pas seule. Elle les définit justement par intermédiaire des différentes fédérations, des entreprises et aussi pour recueillir le besoin. L'idée, c'est effectivement d'identifier le besoin et à partir de besoin, de trouver les solutions de financement. Et sur ça, on s'appuie aussi sur le réseau des CCI, des CMA et de l'ensemble de l'écosystème d'accompagnement de l'entreprise. Donc j'ai envie de dire que s'il y a un besoin, quantifions ce besoin, qualifions-le d'un point de vue plus qualitatif et regardons comment nous pouvons accompagner ce besoin au regard du coup, de la situation actuelle des entreprises. Et c'est vrai que demain, il y a différents leviers qui vont pouvoir être actionnés. Des leviers plus sur des fonds régionaux, puisque la région a établi des plans de relance, plans rebonds plus structurels, donc plus sur les filières, sur comment on anticipe les changements et comment on accompagne ces transitions avec le durable Néoterra et la volonté en tout cas d'engager l'économie régionale vers des transitions écologiques, environnementales, etc. Donc là, il va y avoir des accompagnements plutôt à l'investissement pour pouvoir aider les entreprises à investir et à opérer ces transitions. Et ensuite, il y aura également des leviers un peu plus conséquents par l'intermédiaire du plan de relance à la fois de l'État et plan de relance européen, qui permettront en tout cas d'accompagner fortement des projets importants pour les entreprises, projets qui seraient pluriannuels, mais qui permettraient en tout cas justement de les accompagner pour se doter de matériel, pour se doter d'équipements qui permettent en tout cas le rebond et la relance et le repositionnement de l'offre par rapport en tout cas à l'attente des clients qui est en train d'évoluer avec effectivement le Covid. Donc on a bien effectivement retenu l'idée de bien identifier la nature effectivement de cette notion d'investissement matériel, immatériel, plus ou moins long terme, qui va peut-être permettre effectivement d'actionner des leviers différents. Et je crois que c'est effectivement un message peut-être important à passer à nos membres. Alors il y a un autre sujet aussi très prégnant dans les inquiétudes de nos adhérents, c'est la relation aux fournisseurs. Effectivement, la chaîne de valeur événementielle et touristique sont très imbriquées. Ça veut dire qu'on se retrouve avec beaucoup de fournisseurs, des acteurs événementiels qui sont des acteurs touristiques, l'hôtellerie, la restauration, les traiteurs. Et donc, on se retrouve avec une chaîne de valeur complètement fragilisée et des fournisseurs qui eux-mêmes sont parfois en difficulté, donc qui eux aussi ont des besoins prégnants de trésorerie. Donc on va aussi du coup avoir une fragilité dans cette relation fournisseur. Alors j'avais envie, Jean-Nazaire Tala, de vous poser cette question par rapport justement à cette notion de relation aux fournisseurs ou d'accompagnement. Alors effectivement, vous n'êtes pas banquier, mais comment du coup la Chambre de commerce peut quand même accompagner, aider à réfléchir sur cette notion effectivement de dette fournisseur. D'abord, je voudrais en profiter pour rappeler que le crédit inter-entreprise en France, c'est plus de 6 milliards d'euros. Donc, c'est la confiance entre les chefs d'entreprise est un élément essentiel et il faut l'entretenir. Et c'est pour cela que la question que vous posez sur le volet fournisseur, on n'est pas banquier, mais nous avons l'avantage d'avoir à nos côtés le Crédit Agricole qui fait partie de nos partenaires financiers et la région qui intervient également sur d'autres dispositifs. Je pense que la question des fournisseurs peut être traitée d'abord en utilisant les outils de la prévention parce que ce genre de difficultés n'arrivent pas seules. Nous avons un centre d'information et de prévention de difficultés à la CCI
qui est animée par la CCI, la CMA, les experts comptables, les avocats. La Chambre des métiers. La Chambre des métiers, merci, pour pouvoir aider le dirigeant à trouver des réponses. Ça, c'est un premier niveau. Mais le second niveau, c'est aussi de pouvoir s'appuyer sur les outils de la prévention directement auprès du tribunal, que ce soit les mandats ad hoc ou les conciliations, qui sont des éléments qui peuvent permettre de jouer des étalements ou d'accompagner en tout cas l'entreprise face à une difficulté importante de trésorerie. Et je pense que le rôle que nous avons tous, parce que je parle là au nom d'une CCI qui est aussi acteur dans l'événementiel, puisque nous avons Bordeaux Palais de la Bourse, donc nous connaissons très bien cette problématique des partenaires et de la chaîne de valeur. Je pense que plus on est dans de l'anticipation, mieux ce sera pour tout le monde. Donc, faut pas que les entreprises attendent le dernier moment pour réaliser qu'elles sont bloquées. L'anticipation, c'est un élément important pour pouvoir faire face. Alors justement, je vais rebondir sur la notion d'anticipation, parce qu'on a échangé, vous m'avez effectivement évoqué un certain nombre de choses. Dans l'anticipation, il y a aussi peut-être justement cette idée de réfléchir ensemble, alors tous ensemble pour le coup, puisque vous avez mené déjà des réflexions, notamment avec ce qu'on appelle le CHR, donc avec l'hôtellerie et la restauration, qui sont des métiers qui sont complémentaires aux métiers de l'événementiel, mais très différents. Vous m'aviez dit que vous aviez commencé effectivement à mener un certain nombre de réflexions, de réunions, de moments collaboratifs pour essayer de réfléchir au modèle de demain. Est-ce que du coup, sur l'événementiel, c'est un sujet qui pourrait être envisagé et peut-être aussi en commun avec les autres partenaires de la chaîne de valeur de nos métiers? Pour nous, l'événementiel fait partie de l'écosystème des acteurs touristiques sur le territoire. Donc, ils ne peuvent pas être dissociés, au contraire. De les associer à cette réflexion avec les hôteliers, les restaurants, c'est aussi de travailler ensemble à faire émerger les nouveaux modèles économiques de demain, à anticiper sur les évolutions des comportements des consommateurs et ce que cela implique pour les entreprises, et donc pouvoir, comme le disait la région tout à l'heure, aller les voir pour leur dire « voilà les nouveaux besoins, il faudrait peut-être un outil ou une solution de telle nature » pour pouvoir mieux accompagner les entreprises. Nous avons cette dimension collective, mais nous avons aussi un travail qui est fait à l'échelle individuelle. Chaque entreprise peut être accompagnée dans ce que nous avons aujourd'hui comme offre. Nous appelons cela la gamme Solutio, où on a des solutions pour du financement, on a des solutions pour du repositionnement stratégique, on a des solutions pour de la restructuration financière. Donc cela fait partie d'un ensemble de prestations que nous mettons en place pour justement accompagner les entreprises. D'accord, mais on retient effectivement quand même cette idée de pouvoir prendre la parole dans un écosystème plus large pour effectivement aussi réfléchir tous ensemble. Et c'est aussi un des sujets que l'UMENA portera dans les mois à venir. Alors sur le sujet effectivement de demain, il y a aussi la demande. Et donc c'est un sujet que je souhaitais évoquer avec vous, Luc Bonzon, et la région, puisque l'idée c'est aussi de redonner envie, de refaire de l'événementiel, de redonner envie, alors même si on a tous envie de se retrouver clairement, mais bon, il va falloir aussi que les entreprises réinvestissent, les annonceurs, les marques, dans le média événementiel. Et donc là aussi, la région a un vrai rôle dans le cadre effectivement d'accompagnement, alors plutôt sur la notion de stimulation de la demande et de promotion, mais je trouvais que c'était intéressant que vous puissiez nous en dire un petit mot. Oui, effectivement, en fait, le rôle des pouvoirs publics et le rôle de la région, c'est effectivement à la fois accompagner l'écosystème entrepreneurial, mais c'est aussi de pouvoir amorcer la pompe pour faire revenir effectivement les clients et les visiteurs sur le territoire. Et aujourd'hui, nous sommes en train effectivement de réfléchir avec le comité régional du tourisme, qui est notre agence de promotion et de communication, pour faire un plan de relance de promotion spécifique. Donc ce sont des fonds supplémentaires pour permettre pour la saison 2021-2022, donc là on est sur l'après-saison estivale en tout cas, pour pouvoir communiquer et promouvoir la destination Nouvelle-Aquitaine et l'ensemble des territoires, puisque vous savez que le tourisme, c'est un champ concurrentiel à la fois très national, intra-régional, voire européen et mondial. Et donc l'idée, ça va être en tout cas de pouvoir s'adosser sur des marques, sur ce qui fait notre force aujourd'hui. Vous avez peut-être vu que l'Hermione allait devenir
et va devenir pour 2022 le flambeau de la France pour promouvoir la destination France. Et donc, on pourra en profiter pour promouvoir aussi la destination Nouvelle-Aquitaine. Et donc, en tout cas, j'ai envie de dire que la région, avec son agence, va mettre en place ce plan de relance de promotion et de communication pour permettre, quelque part, des retombées et faire revenir effectivement les visiteurs en Nouvelle-Aquitaine, qu'ils soient de loisirs ou du tourisme d'affaires. Parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est le tourisme d'affaires, c'est le tourisme urbain et l'ensemble de la chaîne de valeur. Vous avez parlé effectivement des hôteliers, cafetiers, restaurateurs, mais aussi de la chaîne événementielle, et que si on n'arrive pas, en tout cas, à réamorcer cette pompe, bah, effectivement, il y aura de la déperdition. Même si possiblement qu'il y en aura quand même. Mais l'idée, c'est de pouvoir actionner ce levier-là. Oui. Et derrière, en l'actionnant, c'est aussi quelque part de la commande publique, très concrètement, envers les entreprises du secteur. Redonner confiance et puis bien sûr redonner de la lisibilité, hein, puisqu'on a aussi, on le sait, hein, une concurrence qui va aussi s'accroître entre les destinations françaises et les destinations européennes, puisqu'on sait bien que le marché immédiat pour l'événementiel va être le marché domestique, donc le marché français. Donc on imagine qu'il va y avoir aussi un peu de combat de communication. Donc c'est important effectivement que la région puisse accompagner la filière événementielle dans cette dimension-là. Alors il y a un dernier point. Sur la notion de réassurance, de remobilisation, que je souhaitais évoquer avec vous avant de terminer. Et c'est un sujet de préoccupation pour les chefs d'entreprise aujourd'hui. Notre secteur, on l'a dit, s'est retrouvé à l'arrêt pendant de nombreux mois. Un grand nombre de nos collaborateurs se sont retrouvés en chômage partiel. Pour un grand nombre d'entre eux, au chômage tout court, au sens on ne va plus travailler, on ne produit plus rien. Il y a donc un enjeu de remobilisation. Il y a eu aussi de la déperdition de compétences, très clairement. Hein, beaucoup, et c'est le cas encore aussi dans la restauration et dans l'hôtellerie, mais voilà, des compétences nous échappent. Et en plus de cela, souvent, nos salariés se retrouvent dans des situations personnelles compliquées et se retrouvent du coup dans un secteur fragilisé, voire pour certains considéré comme insolvable. Et alors, c'est vrai que là, on va parler de situations plus privées, mais on a un certain nombre de collaborateurs qui, aujourd'hui, ne peuvent plus accéder à des crédits à la consommation, ne peuvent plus faire de prêts immobiliers, parce qu'effectivement, ils appartiennent à un secteur fragilisé. Alors, j'avais deux questions sur ce sujet-là. Un premier qui va s'adresser à vous, Claire Saran, je suis désolée. Alors, effectivement, là, je ne m'adresse pas au marché des professionnels, puisqu'on on est plutôt sur le marché des particuliers, mais aujourd'hui, voilà, cette situation, on sait qu'un certain nombre de collaborateurs la vivent. Donc là, nous, c'était aussi un petit message d'alerte qu'on avait, parce que déjà, remobiliser ses collaborateurs, ce n'est pas simple. Et si en plus, on rajoute des difficultés personnelles, ça devient très complexe. Voilà, est-ce que vous avez un message sur ce sujet-là à nous faire passer pour nos salariés? C'est important? Oui. Alors, il faut être serein sur notre volonté d'accompagner les salariés de ce secteur d'activité. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chômage partiel, on l'intègre dans les revenus. Lorsqu'on étudie un nouveau projet, pour un prêt consommation ou un prêt habitat. Ça, c'est pour les nouveaux projets. Pour ceux qui ont déjà des crédits en cours, sur le volet consommation ou sur le côté habitat, on a mis ces crédits en pause. Sur les crédits consommation, c'est vrai que comme c'est des durées plus courtes, les pauses, c'est des pauses que l'on met sur des durées de 1 à 3 mois. Sur le volet habitat, on peut mettre des crédits en pause sur 6 mois à 100% et sur 1 an, 50%. Oui. Et sur des nouveaux crédits? Et sur les nouveaux crédits, là, quand on lance un nouveau crédit, par contre, là, l'idée, c'est qu'on part sur le revenu actuel. Donc le chômage partiel, on l'intègre dans un revenu. Donc la rentrée potentielle pour rembourser le crédit, c'est ce revenu-là. Voilà, donc on étudie les nouveaux crédits en intégrant le chômage partiel dans les revenus du foyer. Et sur les crédits qui existent déjà, on a mis en place des pauses sur les crédits aussi bien volet consommation que volet crédit habitat. Voilà ce que je peux vous dire de manière concrète. Alexis Lounis, vous voulez réagir? Je vous voyais réagir à ce que Claire, je voudrais compléter, parce que ça fait partie aussi des missions de la Banque de France. Alors, je ne souhaite pas, bien sûr, que vos salariés en soient non à ce niveau-là. Mais la Banque de France a aussi pour rôle, en partenariat avec nos partenaires, les banques, le traitement des situations de surendettement des particuliers. Donc là aussi, encore une fois, c'est sans doute parfois méconnu. N'hésitez pas, là aussi, à prendre contact avec nos services.
L'objectif étant d'essayer de faire un diagnostic de la situation, un peu comme une entreprise, et de voir quelles sont les solutions qui sont possibles. Un étalement de la dette, hein, on n'est pas toujours dans cette notion d'effacement, même si dans un dossier sur deux, c'est souvent la seule solution possible. Mais on est aussi là, comme dans une entreprise qui ferait un mandat ad hoc, une conciliation, on est un petit peu dans une manière d'étaler un petit peu cette crise, peut-être sur une période un peu plus longue. Voilà. D'accord, donc, n'hésitez mais pas merci, à avoir recours à nos services à cet égard. Sur cet aspect-là. Et puis peut-être une dernière petite interpellation, peut-être à la région aussi, hein, qui, dans ses compétences, a aussi la formation, parce que pour le coup, quand on parle de nos collaborateurs, on a parlé d'agilité, de nouveaux modèles, d'adaptabilité, donc on va aussi avoir besoin peut-être d'accompagner nos collaborateurs sur de nouveaux métiers, des transformations, plutôt que licencier, peut-être imaginer des choses différentes. Et là, du coup, la région peut peut-être aussi accompagner les dirigeants d'entreprise. Effectivement, la région a mis en place un dispositif plutôt formé que licencié dans la période de crise où les interlocuteurs et la région discutent plutôt avec les branches professionnelles pour pouvoir identifier les besoins et accompagner en tout cas les entreprises dans les différents besoins de formation. Et là, on est quelque part dans la conservation des compétences. Et vous avez parlé tout à l'heure, effectivement, du secteur hôtel, café, restaurant, qui aujourd'hui, par le redémarrage, est en difficulté de trouver de la main-d'œuvre. Et donc, l'idée, en tout cas, de ce dispositif, c'est de voir comment il est possible de relayer et de prendre le relais sur un chômage partiel et de profiter de cette période de non-activité pour former et soit reconnaître les compétences qui ont été acquises au cours du parcours professionnel de la personne, ou soit de former vers de nouvelles compétences. Et ensuite, il y a effectivement comment on arrive à anticiper le changement de métier. Et là, très concrètement, le dialogue se fait par l'intermédiaire de contrats régionaux de formation et de filière que nous avons avec les différentes branches professionnelles, qui permet en fait d'anticiper le changement de métier et de pouvoir adapter l'offre de formation correspondant en tout cas aux besoins des entreprises. Donc nous, en tout cas, au niveau de la région, effectivement, on est réellement attentif pour coller au mieux le catalogue de formation par rapport aux besoins des entreprises. Et ce besoin, il est échangé au fur et à mesure avec les branches pour pouvoir en tout cas offrir aux entreprises. Sur la branche événementielle, on est raccroché à quelle filière? Parce que c'est toujours la difficulté de notre filière. Effectivement, c'est peut-être la force, en tout cas, de la filière, mais c'est aussi peut-être une des difficultés de sa multiplicité et sa diffusion. Et donc après, je ne pourrais pas vous donner de réponse là très concrètement aujourd'hui, mais suivant les typologies de métiers, aujourd'hui, quasiment l'ensemble des filières telles que la région l'a définie, et ses 11 grandes filières prioritaires, on doit pouvoir raccrocher l'ensemble des composantes dans les différents contrats de filière qui existent. Bon, c'est peut-être un sujet qu'il faudra que l'UMENA puisse peut-être porter avec vous pour peut-être clarifier la situation auprès de nos membres. Bah, écoutez, c'était déjà quelques questions un peu denses, donc j'en suis désolée, mais en tout cas, merci beaucoup de vos réponses. Alors, avant de se quitter, on avait aussi donné la parole à ceux qui nous écoutaient. Et donc, Philippe Rondeau, notre président, notre coprésident, va se faire un peu la voix de ces questions. Peut-être qu'il en a retenu une ou deux, et puis ça serait bien qu'il vienne nous les poser en cette fin de webinaire pour conclure effectivement ce moment ensemble. Philippe ? Merci à tous. C'est pas que des mots. C'est très important pour l'ensemble des professionnels qui vous ont écouté et qui vous écouteront, parce qu'on va faire du replay, d'entendre qu'il y a des boîtes à outils qui existent et qu'il y a des spécificités qui méritent d'être prises en compte. Merci Nathalie d'avoir fini quand même sur... Une entreprise, c'est quand même une chose sociale, comme on dit. Et, effectivement, on a été témoin dans notre association de situations de salariés qui se retrouvaient très en situation de difficulté du fait d'être stigmatisés comme appartenant à un secteur sinistré et se voyant couper les vivres très concrètement dans des situations délicates sur les moyens qu'ils avaient l'habitude d'avoir en temps normal. Voilà. Alors, cette crise... A fortiori les salariés. Alors, si déjà le chef d'entreprise peut s'interroger à savoir pourquoi il lui tombe tant sur la tête, alors le salarié du chef d'entreprise, lui, il a la double peine.
Voilà. Non, il y a plein, il y a mille et une questions à vous poser. J'ai mon regard qui a tendance à aller vers la région parce que je suis convaincu, et c'est une conviction très personnelle, mais je crois qu'elle est partagée, que l'ensemble des filières économiques, dans leur dimension régionale, peuvent être identifiées dans leur spécificité. Voilà, ça, c'est important. Concrètement, je vais peut-être en choquer quelques-uns, je le dis aussi en me tournant vers la caméra. Quand je parle à mes amis banquiers ou mes amis experts comptables, certains sont à l'écoute, certains me disent « oui, mais qu'est-ce que tu te prends dans la tête ?» Oui. Et puis de l'autre côté, ils me disent « mais alors, tu sais, il y en a, qu'est-ce qui se gave ?» Et ça, quand même, ça fait mal. Bon, je voudrais rappeler les chiffres qu'il y a probablement un PGE sur 5 qui a été orienté vers des réalités de segments de marché qui en avaient le besoin. Et alors, entre les PGE, comme certains l'ont qualifié, hein, de les PGE d'opportunité, les PGE de prévoyance, les PGE de sécurité, les PGE de... Bon, en réalité, aujourd'hui, on a été confronté, et c'est pour ça que je dis que la région peut avoir un regard d'appréciation de la réalité des segments ou des marchés, enfin des secteurs d'activité qui ont une réalité d'impact qui mériterait donc d'être prise en compte pour faire face à la sortie de crise. Soyons positifs, voyons. Une entreprise qui avait un bilan sain avant la crise, qui n'était pas endettée et qui était profitable, à la limite, en sortie de crise, il faudrait trouver les dispositifs, il faut dire, il n'y a pas de problème. Les pouvoirs publics interviennent, on vous remet le bilan en même état. Or, ça va être très compliqué, parce qu'on leur dit, je suis témoin. Aujourd'hui, les capacités de remboursement de PGE sont quand même appréciées. Ce qu'on peut comprendre, je monte pas les banques. Une banque fait son métier. Elle a bien besoin de pouvoir quand même espérer avoir un retour sur son prêt. Elles appréhendent aussi un peu, pardonnez-moi, mais comme ça, je fais l'animateur bis. Ouais, c'est bien sûr. La Banque de France, peut-être que la Banque de France pourrait dire, est-ce que je n'ai pas eu un petit soutien un peu abusif dans tel domaine. Donc, il y a des jeux quand même qu'on comprend, c'est normal. En revanche, c'est vrai que je suis persuadé que le focus et le tiers de confiance est très important là-dessus aussi. Et le focus d'avoir une appréciation, je ne sais pas s'il peut y avoir des comités d'arbitrage mixtes où un certain nombre de personnes qualifiées pourraient se positionner pour justifier d'apporter des garanties à l'ensemble des acteurs qui fassent que notre secteur d'activité ne souffre pas trop. Pardonnez-moi, mais bon, juste une question qui n'a pas été abordée. Alors, je sais pas de... C'était ça la mission, en fait. C'était la question de la fin. La question de la fin, c'est que M. le maire a quand même parlé, et d'autres, tout le gouvernement a beaucoup parlé ces derniers temps de fonds participatifs, ça n'a pas été évoqué. Non. On sait bien qu'il y a là derrière, précisément, peut-être des éléments de réponse à la thématique de la solution au mur de la dette pour des secteurs. Je ne sais pas si l'un ou l'autre d'entre vous peut peut-être donner quelques éclairages. Je suis persuadé qu'on a un certain nombre de professionnels qui sont attentifs. On sent bien qu'il y a une volonté. La boîte à outils, moi, personnellement, je ne la connais pas. Elle reste un peu obscure. Quels sont les délais dans lesquels on peut peut-être espérer pouvoir mettre en place ce type d'outils qui répondrait à l'appréhension dont je me porte témoin, quoi. Voilà. Voilà. Fonds participatifs. Moi, le prêt participatif, ça, je peux en parler. Effectivement, oui. Le Crédit Agricole Aquitaine fait partie des banques qui participent au fonds et donc participent à l'octroi du prêt participatif. Il faut savoir que c'est effectivement une solution pour renforcer la structure financière d'entreprise, mais ça ne s'adresse pas à toutes les entreprises. Il faut justifier d'un chiffre d'affaires supérieur à 2 millions d'euros pour pouvoir prétendre à l'octroi de ces prêts. Donc, c'est une solution, mais qui ne répond pas à tous. Oui. Voilà, donc... Pour après évoquer d'autres fonds qui répondraient à cette nécessité de consolidation, de renforcement de structures financières, à ce stade, à date, moi, je n'ai pas de solution sous la main. Merci beaucoup, Claire Safor. Eh bien, on va conclure ? On va conclure. Oui, non, moi, juste mes remerciements les plus sincères. Ah oui, voilà. Donc là, c'est effectivement la séquence remerciements, bien entendu. Donc, remerciements effectivement à l'ensemble des intervenants qui ont accepté de prendre sur leur temps pour répondre et pour éclairer, pour en tout cas éveiller hein, ou peut-être révéler quelques solutions aux membres de notre association. Donc, merci beaucoup de votre temps. Et puis, je tenais aussi à remercier évidemment pour la réalisation hein, de ce moment pour l'UMENA. Hein, c'est parce qu'il y a aussi tout un tas d'adhérents l'UMENA
là qui se mobilisent, qui donnent du temps, de l'énergie pour faire aussi vivre cette association et poser les sujets pour le bien-être et l'avenir de la filière. Donc un grand merci d'abord à Novelty et toutes les équipes de Thierry Perceval qui ont passé beaucoup de temps aujourd'hui pour nous préparer ce moment. Voilà, c'est vraiment, c'était très 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 facile de travailler avec eux aujourd'hui. Remercier aussi Bordeaux Event, le CEB, hein, qui est gestionnaire de ce lieu et qui nous accueille, voilà aussi, qui nous a fait l'honneur de pouvoir effectivement dérouler ce moment avec vous. Un petit salut évidemment à tous les membres de l'UMENA et le bureau, les coprésidents, donc Philippe évidemment, Fabrice Guérineau et Carole Marvier, mais aussi un certain nombre de membres, dont Clémentine Bram, que je voulais saluer parce qu'elle a beaucoup voilà, travaillé aussi sur le sujet. Donc un grand, grand merci à tous, vraiment. Et puis j'espère que effectivement les adhérents, vous n'hésiterez pas à aller vers nos intervenants. Hein. On l'a compris, il y a des missions mal connues, il y a des dispositifs peut-être mal utilisés, il y a des leviers qui ne sont peut-être pas correctement actionnés. Nous sommes tous prêts, on a tous envie, nous serons résilients, nous serons effectivement inventifs, créatifs, mais bien sûr, il faut aussi que les conditions voilà, nous permettent de déployer les métiers qu'on aime tant. Donc surtout, n'hésitez pas et n'hésitez pas non plus à revenir vers l'UMENA. On est là pour vous, on est là grâce à vous et on est là parce qu'on croit effectivement à l'avenir de notre filière. Donc je vous remercie aussi beaucoup d'avoir passé du temps avec nous et n'hésitez pas, nous sommes à votre disposition. Merci à tous. Je vais donc relâcher tout le monde. Très bel après-midi sous le soleil de Bordeaux et puis je sais qu'en Nouvelle-Aquitaine, le soleil brille un peu partout. Donc on est prêt pour cette reprise. À bientôt. Something, something for nothing. Tell me how you're gonna get something, something.